Plus tard. Donc là, Batman, on va en faire d'autres. Flash, il a un ennemi ou pas? Il y en a plein. La liste des ennemis, on va faire. J'ai Wolverine, on peut faire. Ouais. Donc si un peu de chance, on pourra peut-être essayer de faire Magneto. Et le professeur Xavier, bien sûr. Je l'ai en fauteuil roulant là-bas, voilà. Les indestructibles aussi, on va pouvoir faire la famille indestructible avec la mère élastique. Et tu sais, comme le père, il est un peu ventripotent et on a des persos qui sont Lika. Un peu ventripotents. Tu sais, qui ont du ventre. Ouais. Hop, tu le remets en indestructible et c'est bon. Enfin, Où est Charlie? Il va trouver le Charlie. Charlie, il va falloir. Attention, ça tourne. C'est partout, ça. Partout. Bon, voilà, Serge joue les acrobates. Mais au pire, si on n'a pas fini avant l'ouverture, on le fera pas. Comme tu passes là-dedans. Ouais. Mais si, regarde. Gabarit réduit, ça passe. Tu prends plus devant la fin. C'est tu prends du ventre, tu sens plus. Là. Véritable contorsionniste. Bon, alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, Serge? Là, je suis en train de poser des caténaires. Ouais. Et la signalisation. D'accord, caténaire et signalisation. Et signalisation. Okay. Avec les petits crocos, les boîtes à. Oui. T'as regardé comment on avait trié le bordel? Les boîtes à batterie. D'accord. Donc là, la signalisation sera. Opérationnelle, électrique. Avec les feux vert, rouge, jaune. D'accord. Et donc là, on est d'accord, c'est le premier tronçon de rail du réseau qui soit équipé en caténaire. En caténaire, il y a. Ok, donc c'est le pont, tout simplement, enfin le viaduc. La grande ligne. Ok. C'est vrai que ça habille pas mal, ouais. Ah, ouais. Ok. Eh ben, très bien. Bon courage pour ce minutieux travail. J'ai quand même l'impression que le super est au prix du normal. Et en plus, c'est même pas écrit en français, les mecs. Il va falloir changer ça. Bon, 1,50€ de litre. C'est. Non, ça va. 1,48€ pour le diesel. Ouais. Ouais, ça va aussi. C'est correct. Il y a le camion. Normalement, il va s'arrêter. Il s'arrête à la station. Là, il s'arrête pas. Ah, oui, okay, il continue. Et là. Ah, il continue, le mec. Il s'arrête pas, lui. Il s'en fout, il pousse. Ok, donc là c'est du collage à la Super Glue 3 en fait. Ah ouais, là t'es obligé, sinon ça tient pas. Hein. Okay. Sinon, on retrouve tout par terre. Tu te colles les doigts un peu, comment ça marche? Ah bah oui. Ah, la glue c'est sympa sur les doigts ça. Il y a sa copine qui essaye de le décoller le soir. Chut. Qu'est-ce que tu veux? La rimmel? La petite rimmel à côté. Alors c'est quoi ça, Julien, un tournage de film? Ouais, c'est on trouve des idées pour tourner un film, des films marrants, je sais pas quoi, on va voir. Position des personnages. Mais il y a une mère Noël là ou? Ouais, il y a Maman Noël, voilà. D'accord, alors attention, on est bien d'accord, on est sur un film grand public. On est sur un film grand public. Ah, hein. Parce qu'après on va nous reprocher, ouais, les mecs avec des nanas à poil dans votre monde miniature. Elle est pas à poil, elle est habillée, hein. Ouais. Oui. Ouais, okay, légèrement. On fait avec ce qu'on a, hein. Bon. C'est un tournage de film, le futur film de Tarantino. Bon, fais attention parce que le comité de la bienséance et de la bien-pensance de Mini World veille, hein. Oui. Donc, pas de scène trop coquine. On voit ça, oui. Hein. C'est pas notre truc. Pourquoi tu tousses? Alors là, ça s'active dans cette partie de l'atelier. Toute la jeunesse de Mini World est là, enfin la jeunesse. Il y a Christian aussi, donc bon. Enfin, il faut bien quelqu'un d'expérience pour encadrer les jeunes. Hein. Quand il va écouter ça dans la vidéo, il va m'en vouloir, je crois. Mais bon, c'est pas grave, je prends le risque. Voilà, donc les deux modules supplémentaires de la partie ville qui avance pas mal. Les reliefs en bois se dessinent progressivement. Voilà, de même que les quartiers, l'agencement des immeubles commence à progresser, à s'étaler.
là derrière, on doit avoir quelque chose qui ressemble à un parking. Alors bon, pour l'instant c'est juste un début, mais c'est Émilie qui réalise un parking, je crois que c'est la gare routière en fait, il y aura plein de bus, tout ça. Alors Émilie qui est en train de mettre des grands coups de bombe. Équipée de son masque, de son grand copain le masque. Elle ne le quitte plus maintenant. Ah, tu l'aimes bien ton masque, hein? Ouais. Voilà, il semblait. Soit il est sur la tête, soit... Et tu l'as pas customisé encore, tu l'as pas peint en... Je sais pas, t'aurais pu faire des petits motifs, des petits mais trucs non, en poil bleu. Il se casse, tous les jours, il faut le changer. Ah merde. L'élastique, il tient pas. On te file du matos de merde ici, hein? Ouais. Moi, je me plaindrais à la direction, quoi, sérieux, c'est n'importe quoi. Et donc là, du coup, tu fais quoi? C'est, t'appliques une, c'est de la colle? C'est de la peinture? C'est de la peinture. Je fais le parking, les étages du parking. D'accord. Donc là, avec une teinte un peu grisée, quoi. Ouais, et après, je repasse, je fais des mouchetis un peu plus foncés. Hein? Ok. Pour donner une texture. Allez, bon courage. Ouais, merci. Bon alors Gilles, qu'on ne voit pas forcément très souvent à l'écran. Alors là, il est en train de faire un truc un peu spécial. Il déploie des tapis de sport achetés dans un magasin bien connu d'articles de sport. Et en fait, ces tapis nous servent à faire des semelles de voix dans les parties non visibles. C'est plutôt économique. L'épaisseur est correcte, convient bien. Ça permet d'avoir une circulation des trains plutôt silencieuse. Du coup voilà, c'est une solution plutôt efficace. Bon, ça va, c'est pas trop galère à appliquer, à découper. Ça va, ça se passe pas trop mal. Le plus difficile, c'est de coller. Ouais, voilà, c'est aussi coller. La pompe, ça va. Ça se coupe bien. Très bien. Donc voilà, Gilles est notamment l'artisan de tout ça, là, toutes ces voix qu'on voit. Toutes ces voix qu'on voit. C'est très, très bien dit, très beau. Voilà. Voix de chemin de fer qui ont été posées, câblées. Donc c'est un travail qui n'est pas très spectaculaire, qui ne se voit pas forcément très bien. Qui est un peu caché, mais qui est. Extrêmement important, tout à fait incontournable, fastidieux. Alors on dit merci Gilles. Donc ça en ce moment c'est ce que Serge nous apporte, on le sollicite souvent là-dessus. Donc un bon vin blanc qui malgré son packaging en cubi est franchement excellent. Et puis de la chantilly, voilà. Une bonbonne de chantilly comme ça, là, une bombe de chantilly fait. Allez, deux repas. Putain, c'est tous des bons. Tu es donc gravé là où ça passe. C'est la joie que tu veux. T'es à 32 parce que regarde, t'as beaucoup plus de longueur ici. 2 mm sur le car système, ça n'a rien changé. Mais la moitié. À 84, là, tu me dis 80. Mmh. Là, tu me dis 60, alors que avant, était à 70. Ça veut dire que la route est plus bas. Oui. Alors qu'on a monté ici. Mmh. Mmh. 60. 60 et ici. Et là, on est toujours sur la base de 45. 45. D'accord. On était avant à 45. Ouais, donc c'est bon. Et après, je reprends là, à 40. Tu passes. Ça veut dire que ici, grosso modo, je suis à 30. Une affiche. Jolie. Et là, tu fabriques un terrain de squash. C'est le Bats Café? Non, ce sera un club privé. Qui va se positionner où? Dans le sous-sol de tout cet immeuble. Toujours dans cet immeuble, ok. Parce que ça va donner ça. Ça commence à prendre forme. Voilà, ça prend forme. Voilà. Elle me plaît, cette robe. Bonjour, Philippe. Pardon. Il est trop.
Je suis sur 20 cm de moi. Non, non, et la voie, elle va arriver à un endroit. L'avantage, c'est que j'ai un poteau ici. Mais fais la plus courte. Mais là, on s'en fout. On met un mur sur le truc. On fait. On donne chaud. Mais là, ta boureuse, là, tu fais ta voie en construction. Et la boureuse, là, rien que ça, c'est 10 minutes. Et là, on fait un champ. Et là, on fait. Début, là, je craque. Un quoi ? On fait un. Création de la dernière partie du monde miniature. Non, mais là, il y a un vendredi soir, 20h. Mais oui, alors la voie, elle va dans des villages. On voit qu'il y a quelques verres de vin blanc. Bon, alors on l'a fait tourner. Elle tourne et elle disparaît. Et là, il y a des manifestants qui râlent parce que justement, les travaux sont pas au bon endroit. Non, ils manifestent en disant non à la ligne de train. Voilà. Non à la ligne de fret. Tu vois, on fait une palissade.